de la mer aujourd'hui, hein. Oui, ça bouge. Ça bouge. Mais bon, ça mange aussi, donc faut quand même Oups. Voilà. Donc, il me faut. Je voulais des tomates. Là, c'est ta réserve ici. Hein. Oui, ouais, ouais. C'est là que je viens chercher. Je viens faire mes courses tous les matins. Pour les fruits et les légumes. Et puis, je voulais surtout ces quelques tomates. Et les tomates, elles sont là. Bon, ils bougent peut-être pas beaucoup. Ouais, ça va quand même. Donc là, ce midi, tu vas faire une salade, c'est ça? Oui, je vais faire une salade verte parce qu'il en reste et qu'il a, il est temps de les finir. Je mets toujours une ou deux tomates dedans. Enfin, pas toujours, mais aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Un peu d'ail. Et puis les fruits aussi. Il faut avoir le pied marin, là, hein, pour faire ses courses. Ouais. Parfois, je fais tomber des fruits, ils roulent et... Faut les ramasser quoi après. Ouais, là ça part vite, j'imagine. Ça part vite, ouais. Je vais prendre une salade. Ouais, elle commence à s'abîmer les salades. Là c'est du frais que tu as fait quand là? Là je les ai achetés à Ilulissat lors de la dernière, pas la dernière escale mais l'avant-dernière. Et c'est les trois dernières salades, ça c'est un chou. Les trois dernières salades, je crois qu'il faut qu'on les mange aujourd'hui et demain après c'est fini, on n'aura plus de salade jusqu'à ce qu'on arrive, mais bon, on n'a pas été malheureux de ce côté là voilà. Et normalement j'attrape un truc dans le congélateur au passage, je sais pas si là je vais pouvoir, je vais quand même le faire parce que ça évite des allers-retours. Donc là tant qu'à faire tes courses Je passe aussi au congélateur. je suis pas chez Picard. Et là, demain, je pense qu'on va manger du poisson. Du petit hareng fumé. Bon, ça va, c'est pas trop costaud, tout ce travail de cuisine avec des mères formées, c'est quand même pas simple. Hein. C'est évidemment, c'est beaucoup plus difficile, mais heureusement, il y a des gentils marins qui m'aident quand ça bouge de trop. Je peux leur demander d'aller chercher des choses dans la cale avant. Et dans ce cas, ça va. J'imagine que quand il fait entre 30 et 40 nœuds, comme en ce moment, depuis 24 heures, la cuisine change. C'est peut-être pas les mêmes recettes. Oui, c'est plus simple. Hein. Là, je crois que ce midi, ça va être même purée toute faite et rôti. Mais hier soir, on a même bu un petit verre, hein, comme si de rien n'était. Il y avait 40 nœuds. Il y avait 40 nœuds et on ne s'est pas dégonflé. On a ouvert une petite bouteille de rhum. Une petite bouteille de rhum avec de la musique. Ouais, c'était génial. C'est la purée 39. Voilà, parce que si on met tout d'un coup, ça fait un bloc. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. C'était du béton. Ouais, mais en même temps, après, on n'a plus faim, quoi. J'étais quand même obligée de rectifier le tir. Donc maintenant, j'y vais beaucoup plus doucement.